Pour Bokertov. Alors, d'abord, pour remercier Madame Fitoussi, la femme de Stéphane, qui nous a offert 100 masques, et remercier aussi Olivier Sbéro aussi pour 100 masques. Messieurs, je vous rappelle qu'on n'a reçu aucune directive d'enlever le masque. Il y a encore actuellement en Israël, par mois, encore par semaine, plusieurs dizaines de personnes qui se contaminent, des nouveaux contaminés. Je ne parle pas en France, c'est encore plus. Ce n'est pas parce que les pouvoirs publics nous ont dit que le déconfinement a commencé que le virus est terminé, vous le savez. Donc faites attention, vous avez des masques. Celui qui vient sans masque a l'obligation de prendre un masque, de prendre un masque qui se trouve à côté de mon pupitre. Et de mettre dans la Tzedaka un ou deux shekels pour qu'on puisse encore en acheter, puis c'est tout. Combien de temps? On ne sait pas, peut-être très longtemps. Personne ne nous a dit que le virus est parti et il partira. Donc, un minimum, c'est ça. Si déjà on sort maintenant dehors, un minimum, c'est d'être avec le masque. Ça n'a rien à voir avec la halakha. Je commence. Mitzvah yeshivat be'eretz Israël en aroch alea. Je vous cite les mots, donc je ne suis pas responsable de ce qui est marqué dans la Torah. J'explique la Torah. Il ne faut pas m'en vouloir à moi. La Torah, c'est la Torah. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de valeur. She'ish kula keneged kol ha-mitzvot sheba Torah. Elle est équivalente à l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. Je traduis. Ubimyuchad, kshakavana litiyashev be'eretz Israël, leshem mitzvah. À plus forte raison, si vraiment il veut s'installer en Israël pour accomplir les mitzvot. Ou les kayem ba'et kol ha-mitzvot atluyot va'aretz. Tu sais, quand tu arrives en Israël, c'est très difficile. Parce que ton âme, il y a une mutation de ta neshama. Tout ce que tu ne pouvais pas dévoiler dans la lumière de ta neshama, tu peux le dévoiler ici. Je ne le dis pas parce que d'un seul coup ce matin, je suis illuminé. Je l'ai ressenti, mais tout le monde l'a ressenti. J'en ai parlé avec des centaines de personnes. Des fois, c'est douloureux. C'est très douloureux au début. C'est très... Et Eretz Israël, au début, c'est très douloureux parce que tu fais sortir, tu sais quoi? C'est comme l'ouverture, c'est comme un accouchement. C'est douloureux, un accouchement, c'est douloureux. Donc, tu fais sortir ton âme. Tu fais sortir ce qu'il y a de plus beau dans cette âme. Celui qui vient dans la terre d'Israël pour étudier la Torah, mais sûr que celui qui vient dans la terre d'Israël pour chercher les plaisirs de la terre d'Israël... Je suis désolé de vous dire, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Il y a un peu, mais il n'y a pas beaucoup. Ce n'est pas les plaisirs qu'on vient chercher ici. Ici, c'est on vient chercher le dévoilement de son âme. Et il te dit, à plus forte raison, ceux qui viennent en Eretz Israël pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot de façon épanouie. Tu vois, tu n'as plus peur de personne. Tu es avec ta kippa toute la journée. Tu peux sortir dehors de chez toi avec ton talit et tes tefillines et marcher dans la rue pour aller vers la synagogue. Moi, je trouve ça dans le monde. Et personne qui va te regarder, c'est normal. Tu vas faire ton Shabbat, c'est un vrai Shabbat devant tout le monde. Tu peux sortir, mettre ta soukha dehors et chanter devant tout le monde. Tu vis une vraie vie. Alors là, c'est important. Vélaché. Mitzvah l'adrich bachurim l'alot l'eret Israël, l'ilmot b'yishivot akadoshot shebaaretz, ou l'ishtakir kan b'eretz hakodesh. Il y a une mitzvah, au contraire, d'encourager les jeunes à monter en Israël, soit pour étudier la Torah ici, après faire des études, se marier et habiter dans la terre d'Israël. Vafilou, et là on arrive puisque nous sommes dans les halachot de Kivudavahem, depuis un bon moment, et encore pour un bon moment. Intsivu oto aviv o imo shelo la'alot l'eret Israël. Si papa et maman te disent non, on ne veut pas que tu montes en Eret Israël. Lo ishma lahem. Ils ne les écoutent pas. C'est dur ça. Mikol sheken, shazorek var l'itiachev Eret Israël, vetsivu oto aviv o imo l'aretet l'chutz l'aretz idgorima v'l'azor lahem, shen lo ishma lahem. Et encore plus, celui qui est monté déjà dans la terre d'Israël et qui s'est installé ici, et que ses parents qui habitent en dehors d'Israël lui ont dit de revenir pour être à côté d'eux, pour les aider, etc., il ne les écoute pas. Mais sûr que si les parents ils ont besoin d'aide, de vérifier qu'il y a quelqu'un, s'ils sont seuls, Hasvei Shalom, et s'il y a des frères et des sœurs, et que lui doit aussi intervenir financièrement pour que ses parents, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème, c'est pas qu'il est parti et qu'il laisse ses parents comme ça, bien sûr, mais simplement pour être à côté d'eux parce qu'ils ont une commodité meilleure en étant avec leur fils, ça, hors de question. Qui a mitzvat yeshuv Eretz Israël, gam bizman azé docha le mitzvat kivud avahem.
Je dis ça, j'ai mal à la bouche, tu vois, c'est dur pour moi de dire ça, mais c'est la halakha. Car la mitzvah, nous-mêmes, on a encore nos parents en dehors d'Israël. Tu crois que c'est facile que j'ai pas vu mes parents? Moi, ça fait 3 mois, mon père, il est malade. Maniasse, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très dur, faut pas croire. Faut pas croire que de venir en Israël comme ça, tu laisses toute la famille en France. Il te dit que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, même actuellement, c'est une mitzvah qui repousse la mitzvah de Kivud Av Em. Et là, je vais juste dire quelque chose qui est très important. Parce qu'il explique, il dit, on ramène que le Midrash, il ramène dans le Sifri, qu'il y avait Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Matia ben Harash, Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua, que leur mérite soit avec nous. Amen. Et tous ceux qui étudient cette halakha avec nous. Eh bien, le Midrash raconte qu'ils sont sortis en Houtzlaretz, en dehors d'Israël. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Paltia, un autre endroit, Veniskeru Beret Israël. Et à ce moment-là, ils se sont souvenus de la terre d'Israël. Ils se sont mis à pleurer et ils ont déchiré leurs habits. Des karoam ikrasé, et ils avaient quitté Israël pour une obligation. Et ils ont lu le verset. C'est marqué dans la Torah, Virishtem Bota, vous allez hériter cette terre, Vishavtemba, et vous allez vous installer. Et tout de suite après, le verset continue et il dit, Ushmartem la asotet kol hakim vamishpatim, et vous garderez toutes les lois de la Torah. Lomar lecha, c'est pour te dire, donc ça c'est le Midrash, c'est la Gemara, la même chose. Lomar lecha pour te dire, Sheshku la yeshiva teret Israël, keneget kol mitzvot. D'où est-ce qu'on sait que le fait d'habiter dans la terre d'Israël, c'est comme si on avait accompli toutes les mitzvot de la Torah. C'est une valeur extraordinaire, puisque ça a été mis dans le même verset. Le verset, il dit, vous hériterez de la terre, et puis après, il continue, le verset, il dit, vous devez garder toutes les mitzvot de la Torah. Quel est le rapport entre les deux, pour te dire qu'en fait, c'est la même chose. Alors là, il ramène mitzvat yeshivat, voilà, ou da'at haramban, le nachmanide, mais c'est faire un mitzvot. Mitzvat yeshiva be'eret Israël, la mitzvah d'habiter dans la terre d'Israël est mitzvah ta'asé mina Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah. Ça fait partie des mitzvot positives. C'est-à-dire, chaque minute que je suis là, ah, c'est une galère ce pays. Chaque minute que je suis là, j'accomplis une mitzvah ta'asé de la Torah. Veskimu imo, arashbatz ve arashvash. Et voilà que des grands rabbanim, au contraire, ont rajouté qu'ils sont d'accord avec ce qu'il dit le Ramban. Alors, il dit que, quand même, il y a un des grands commentateurs qui a amené que d'après le Maïmonide, paraîtrait-il que cette mitzvah, c'est seulement avant qu'il y a eu l'exil. Mais après qu'il y a eu l'exil, cette mitzvah positive n'existe pas. Et là, il vient, il dit, Rav Ovadia Yosef, c'est pas vrai de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que, il ramène ici, parce que le Rambam, lui-même dans Yad HaChazaka, il a dit, « Che mitzvah zono heget gam bizmanazé. » Le Rambam, dans Yad HaChazaka, il a dit que cette mitzvah d'habiter aujourd'hui en terre d'Israël, c'est la même mitzvah qu'il y avait à l'époque. Juste encore une petite chose encore, c'est que il ramène ici. Ah voilà, et voilà. Et pourquoi? Et pourquoi? Et est-ce qu'il te dit, la Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Vav, dit, Hare Shamar lo Aviv lechalel Shabbat. Parce que nous savons tous que la Gemara dit, si papa il te demande de transgresser le Shabbat pour lui, il veut que tu transgresses. Alors, la Gemara dit qu'on ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Ish imo ve'aviv tira'u, ve'et shabetotai tishmoru. Chaque homme a l'obligation de craindre son père et sa mère. Et mon Shabbat, vous le garderez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que papa et maman aussi sont englobés dans la mitzvah du Shabbat. Et qu'ils n'ont pas le droit de te dire à toi de transgresser le Shabbat. Et donc, pourquoi? Parce que papa et maman et moi, on est tous englobés dans la mitzvah du Shabbat. Donc si mon père il me dit de transgresser le Shabbat, je ne l'écoute pas. Et alors il dit sur ça, Vechenkan, et ainsi dans la mitzvah d'habiter en terre d'Israël, Im Yomar lo Aviv, Levatel mitzvah Yeshivat Eret Israël. Si ton père il te dit, je ne veux pas que tu ailles habiter en Israël, Lo Ishmalo, il ne l'écoute pas. Pourquoi? Sharehu, Ve Aviv, Chayavim, Be Mitzvazo. Parce qu'une mitzvah que ton père et toi, vous avez l'obligation de la faire comme le Shabbat. Et comme dans le Shabbat, on a dit que papa ne peut pas te dire de transgresser le Shabbat parce que lui-même, il est assujetti à cette mitzvah-là. De la même façon, dans ce qui est de Yeshivat Eret Israël, papa aussi a l'obligation d'habiter là. Donc il ne peut pas t'interdire quelque chose que lui-même, il est obligé à vivre dans la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël, il est... La terre d'Israël, Béhémet, hein,
je vous dis quelque chose de qu'on a vécu nous ici en quelques années qu'on est venu là. C'est ta tête qui change, c'est ton cerveau qui change. Mais une chose, moi j'ai remarqué, tous ceux qui sont restés attachés à la Torah en venant dans la terre d'Israël, c'est pas qu'ils ont pris un appartement au bord de la mer sans savoir s'il y avait une communauté, sans savoir s'il y avait quelque chose, et les types qui sont là, ils sont seuls. Et là, ça a été très dangereux, on l'a vu pour nos frères. Qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Malheureusement, c'est... Alors là, c'est... On sent que ces familles se désagrègent, alors qu'en France, ils étaient très bien. Et d'un seul coup, il y a un déséquilibre. Ils ne savent pas que ce déséquilibre ne vient pas seulement parce qu'ils ont changé de pays. Ce déséquilibre vient parce qu'il y a une mutation de l'âme. Il y a une mutation de l'âme. Ça, il faut comprendre, ce n'est pas chouette ce que je dis. Une vraie mutation, maintenant. Quand on arrive dans un endroit et on est entouré, dans une communauté, je précise le mot communauté, ceux qui veulent faire la Aliyah, ne venez pas ici parce que simplement vous avez trouvé un endroit sympathique au bord de la mer. Première chose que vous devez avoir dans votre tête, si vous venez faire un voyage d'études, Be'ezrat Hashem, alors là, Baruch Haba, venez voir les communautés. Rentrez dans les synagogues des communautés françaises. Venez voir le Rav. Venez voir les gens qui sont autour. Et là, vous prendrez vos décisions par rapport à quelle communauté vous voulez venir habiter. Parce qu'il va se passer quelque chose. C'est que pendant la première année qui va être douloureuse pour la mutation de l'âme, ta tête, elle n'est plus là. Tu réfléchis plus la même chose. Il se passe plein de choses. Tu ne te sens pas le même. Tu ne te sens pas très bien, etc. Le fait d'être entouré d'une vraie communauté va faire que tu vas passer ce moment-là. Et après un an et demi, Be'ezrat Hashem, à peu près, je pense, hein, à peu près un an et demi, la terre, un beau matin, elle te sourit, elle t'accueille. La terre, elle te sourit. Et là, attention, parce que quand elle t'a souri, la terre d'Israël ici, tu vas avoir une très grande bracha, mais une bracha exceptionnelle, mais mieux que ça. Tu vas sentir que spirituellement, t'as changé complètement, que les valeurs ne sont plus les mêmes, les futilités de Paris. Parce que Paris, c'est beau, Saint-Germain, c'est beau, c'est un kiff, tout ça. C'est Paris, c'est la plus belle ville du monde. Mais ces futilités, tu les as plus. Tu es en train de rentrer en profondeur dans ta vie. Tu commences à dévoiler la lumière de ton âme. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et encore une fois, vous me connaissez que je ne suis pas quelqu'un d'illuminé ou qui est là en train de... Bon, ben voilà, il dit des choses. C'est ce que j'ai ressenti, moi, en venant ici. Ma prière n'est plus la même. Ma Avodat Hashem n'est plus la même dans ce pays. Mon Limud HaTorah n'est plus le même. Alors moi, j'avais entendu ça, j'ai dit, bon, bah, ça, c'est des gens qui... Bon, ils sont sympathiques, ils aiment beaucoup la terre d'Israël, donc ils te font des trucs. Non, Eret Israël, Pachout, tu changes complètement. Bien sûr que ceux qui sont venus en vacances à l'hôtel n'ont pas ressenti ce sentiment. Il faut venir habiter, se lever tous les matins, prendre son talit et cette feeling. Allez, dans la communauté où tu es affilié, venir passer un Shabbat dans cette communauté, tu verras que ta vie elle va changer complètement. Mais vraiment, c'est une obligation. Obligation. Ne venez pas dans ce pays si vous n'avez pas une communauté. Allez à Ashdod, à Jiru, où vous voulez. Mais d'abord, si vous faites un voyage, ne faites pas un voyage pour chercher la maison, les appartements, il y en a des tonnes. Vous inquiétez pas, c'est pas comme à Paris. Il y a des tonnes d'appartements, locations, à foison, à vendre par millions. Il n'y a pas de problème. Cherchez la communauté où vous allez sentir une ambiance d'amitié, d'amour, comme je le précise. Nous, les Français, quand on arrive en Israël, pendant au moins un an ou deux ans, on est seul. Quand on dit on est seul, on n'a pas encore la langue, on n'a pas encore tout ça, on n'a pas la mentalité. On est dans une solitude. C'est un beau pays, mais on est dans une solitude. Et on a besoin de retrouver cette communauté que quand tu rentres, tu retrouves tes copains, tes amis. Ça te donne un nouveau souffle pour repartir le matin au travail et te sentir mieux. Je vous souhaite la bracha et la hatzlacha, Be'ezrat Hashem. Et on remercie Hashem. J'ai honte. Combien il faut que je remercie Hashem? J'ai honte. La vérité, je me lève le matin, j'ai honte. J'ai Akadosh Baruch Hu, merci. Merci Hashem. Qu'est-ce que j'ai mérité? Oh, sûrement que j'ai mérité, parce que si je n'avais pas mérité, il ne m'aurait pas donné. Mais merci de m'avoir donné, moi, ce mérite de venir habiter dans un endroit comme ça, de retrouver à Polègue des frères que je n'ai pas connus en France. Quel mérite que je suis venu ici pour trouver une vraie famille extraordinaire. Akadosh Baruch Hashem. Et Baruch Hashem. On a passé cette période-là. J'ai honte aussi de le dire, Stéphane, on a kiffé, nous. On a eu des moments, on s'est fait des kiffs et des machins, et des petits mini-animes, quand on pouvait le faire à 10 et un petit kidouche. On a respiré au moins. On a passé ce moment de confinement avec beaucoup moins. On avait le droit le soir de sortir, tard. Et voilà qu'en bas de chez moi, il y avait toujours une bande qui arrivait me prendre, et on partait sur la plage pendant 2 heures comme ça, en train de faire le tour, et on passait... Des moments que...
Je sens que même dans les moments difficiles de l'humanité, on les passe ici plus facilement. Je vous remercie en vous souhaitant une très bonne journée. Amen.